retour éventuellement à viser la première place. Pour l'instant, un petit avantage à Chauny. Il commence à coincer. C'est Shepard pour Conflit qui prend le relais. Oui, qui est très en retard, il va falloir que le Mozart se remue. Ouais, le dernier relais en deux, enfin le deuxième relais en deux, il n'y a pas de point de mire, contrairement à la tête de Chauny qui va pouvoir bénéficier de l'aspiration de la tête d'Adville. Shepard qui fait un superbe parcours. Les confriotes peuvent donner de la voix à Sheik. Ah, encore des provisions. Alors que le matin est légèrement revenu, mais encore une grosse différence. Rien n'est encore fait, bien entendu, rien ne sera fait avant le dernier relais. C'est bien compliqué hein, pour Mouy qui a une bonne 20-25 mètres de retard. Bien sûr, il restera, alors que c'est Benjamin Pires qui va finir le relais là, c'est Confrit en cours. La Confrit toujours seul au monde. Alors que le Mozart est en train de repérer, tout va se jouer dans le dernier 400. Benjamin Pires sur un but, le troisième relayeur qui fait un superbe parcours pour le Mouillata, Nicolas Poisson qui est en train de repérer sur un but. Il va falloir aller chercher Chauny maintenant. Continuez Benjamin. La Poisson qui est pas un spécialiste du temps, c'est un superbe parcours. Voilà, on touche pas la ligne, on respecte le chronométreur. On évite d'envahir la piste également. Victoire Confriotte. Benjamin Pires qui l'emporte. Chauny qui va finir deuxième, mais l'ennemi attaque et sur les talons de Chauny. C'est compliqué pour Nicolas Poisson qui va chercher les derniers centièmes. Voilà.